Ce jeudi, Sadio Mané a annoncé qu'il évoquerait son avenir à l'issue de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. À un an de la fin de son contrat chez les restes de Liverpool, l'attaquant sénégalais devrait poursuivre sa carrière au Bayern Munich selon la presse allemande. Le directeur sportif du club aurait rencontré les agents du joueur à Majorque. Il a fait part du vif intérêt de son club et Mané aurait depuis fait savoir que cette piste le séduisait. Le club munichois serait proche d'un accord avec l'ancien messien sur un contrat de 3 ans. Le transfert devrait se situer autour de 30 millions d'euros en Bavière. Il pourrait devenir le successeur de Robert Lewandowski qui aimerait rejoindre le FC Barcelone à 12 mois du terme de son contrat. Nagelsmann pourrait aussi utiliser Mané comme ailier, d'autant plus que Serge Gnabry pourrait également quitter le Bayern Munich cet été. En tout état de cause, le natif de Bambali constitue la priorité des dirigeants bavarois qui veulent frapper un grand coup sur le marché des transferts après avoir déjà enrôlé l'arrière droit Mazraoui et le milieu Gravenberg en provenance de l'Ajax Amsterdam. Avant la finale de la Ligue des Champions, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a réagi aux rumeurs amenant son joueur sénégalais chez les Bavarois. Des rumeurs, Sadio Mané au Bayern Munich, je m'en fous. En ce moment, il est concentré sur la finale. Ce n'est pas la première fois que j'ai une rumeur sur le Bayern Munich juste avant un grand match. A-t-il avancé le technicien allemand? S'adressant à Sky Sport dans une interview à part, Sadio Mané s'est vu poser une question similaire, mais fidèle à son caractère, a été plus réservé dans sa réponse. Ce serait spécial de gagner et d'en faire 7, a-t-il répondu. Lorsqu'on lui a demandé si ce serait bien d'apporter une autre Coupe d'Europe et de régler son avenir. Cette question sur mon avenir, j'y répondrai après la Ligue des Champions. Si je reste ou pas, je vais répondre après la finale de la Ligue des Champions. Ce n'est dans une certaine mesure par une surprise étant donné que beaucoup de sources ont laissé croire que des discussions sont prévues avec les agents de Salah et Mané à la fin de la saison. Mais avec en toile de fond l'intérêt du Bayern Munich pour Sadio Mané, son refus de s'engager au-delà de la fin de la campagne actuelle pourrait être plus inquiétant. Sadio Mané est dans une forme exceptionnelle en cette deuxième partie de saison et tout au long de l'année 2021-2022, il a marqué 23 buts et délivré 5 passes décisives en 50 apparitions ainsi que 6 buts et 2 passes décisives en 14 matchs pour le Sénégal. Selon vous, chers amis, Sadio Mané doit-il rejoindre le Bayern Munich après la Ligue des Champions ou rester à Liverpool?